Ah poto, je t'arrête tout de suite et je tiens à faire une grande annonce dès maintenant qu'Ewolf est sur Twitch. Oui, sur Twitch. Bon, c'est pas pour autant que j'arrête YouTube, il y aura quand même pas mal de vidéos, mais c'est pour dire qu'en ce moment, on est en train de passer des lives de fou sur Twitch. On est en train de dessiner pour la cover de notre manga, on chill avec les potos, on joue à des jeux vidéo comme Valo, comme Fortnite, ou même autre. Hein. J'ai également fait un live où j'ai un peu joué à Genshin également. Mais tout ça pour dire qu'on est en train de passer des lives de fou, alors n'hésite pas à venir sur Twitch, le lien est dans la description, et n'hésite pas à te follow et à suivre des lives de folie. Yo tout le monde, c'est Kevolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, on est là pour faire certains points techniques de Clip Studio. Je vais vous donner certains petits points techniques que vous pourrez utiliser pour améliorer vos illustrations et pour que ça soit le plus confortable pour vous pour dessiner sur ce logiciel là. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un max de pouces bleus, activer la cloche de notification pour suivre un max de vidéos sur la chaîne, le compte Instagram. Dessin de la chaîne YouTube est disponible, MangakaM9, lien dans la description également. J'ai déjà commencé à faire plusieurs vidéos sur ce logiciel-là, qui vont être disponibles dans la playlist Clip Studio ou le bouton I en haut à droite. Et commençons cette vidéo. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, là, vous êtes sur mon document où je fais du coup mes chibis. Ah non, je vais vous en montrer un. Non, là, c'est la couleur. Hop. Là, c'est croquis. Voilà, par exemple, celui-ci. Alors, du coup, voilà. Là, c'est juste pour vous montrer que là, je suis sur mon document. Là, où il y a mes chibis, pardon. Alors, certains points techniques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser déjà pour faire nos croquis? Parce qu'on commence toujours par des croquis pour faire nos illustrations. Alors, moi, j'ai commencé globalement par ce croquis-là. Alors, je vais déjà commencer par créer un nouveau calque, ici. Et pour créer cette couleur bleue, en fait, c'est très très simple. On va du coup augmenter notre plume. Je vais vous montrer déjà ce que ça fait quand on crée un nouveau calque. Ça va juste créer du coup un trait noir, comme vous voyez juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà du coup baisser l'opacité du calque. On va le mettre à 50 pour dessiner un peu en transparence. Et on va ensuite cocher ici, dans propriété du calque, vous voyez, deux carrés. Couleur de calque. Vous allez ensuite cliquer ici et vous allez ensuite tout le temps dessiner en bleu, constamment. Ce qui est vraiment pratique du coup quand on fait nos croquis et qu'on a besoin ensuite de redétailler. Si jamais vous voulez changer la couleur, c'est très simple. Vous allez du coup sur le bleu ici et vous avez la palette de disponible. Donc là, par exemple, je fais un violet. Et là, du coup, je pourrais dessiner en violet. Ça, c'est vachement pratique. Par exemple, si jamais je voudrais reprendre ce croquis-là. Hop. Ou même si jamais on voudrait venir petit à petit détailler notre dessin. Hop, là par exemple, je fais ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà, si vous voudrez vraiment venir commencer à détailler, là je suis en train de faire un peu le sweep de mon chibi. Voilà, si jamais on peut venir détailler, et c'est vraiment intéressant, voilà, si jamais on veut partir dans le croquis, détailler un peu plus jusqu'à du coup créer notre illustration finale, qui va du coup être l'ancrage, la couleur et ainsi de suite. Ensuite, j'ai sûrement déjà dit dans une vidéo, mais je redis, c'est vraiment assez important, si jamais par exemple on n'est pas à l'aise pour dessiner sur cet angle là et qu'on veut du coup dessiner sur le côté gauche, du coup on va appuyer sur le miroir ici. Voilà, du coup là je suis vite beaucoup plus à l'aise, je peux tracer des traits vite plus intéressants et ça permet en même temps de vérifier si notre dessin est correct ou pas, parce que la plupart des fois on dessine du coup dans le même angle mais on voit pas si notre dessin est correct, et du coup on pourrait le voir
Si jamais par exemple je fais l'outil miroir, on va du coup voir plus facilement les erreurs de notre dessin et donc les corriger. Hop. Donc après ça, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a également, bon, je pourrais vous montrer tout ça d'ailleurs. Non, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, ça c'est plus manga. Alors, les points techniques également, on pourrait, c'est du coup ici. Mais il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant dans les paramètres de calque. Ça va pas être du coup des calques de pixelisation. Les calques de pixelisation, ça va être des calques tout simples, hein, comme celui-ci, celui que je viens de créer. Mais je vais créer un calque vecteur. Et le calque vecteur est vraiment très intéressant. Et a une particularité vraiment incroyable. Là, par exemple, ici, vous voyez, créer un nouveau calque de pixelisation ici. Et je crée un calque vecteur, ce qui est juste à côté avec le petit cube à l'intérieur. Je crée mon calque et là, on va voir le petit cube. De suite là, je pourrais du coup reparamétrer ici. Avec la couleur, ça c'est pas un problème. Et voilà, l'opacité également, ça c'est pas un problème. Du coup, la particularité du calque vecteur, ça va du coup pour effacer les traits. Alors, on a vu, je vais vous remontrer avec le calque de pixelisation. Ici, sur mon calque de pixelisation, là par exemple, je fais un trait comme ça. Non, ça va être plus simple si je fais ça. Hop, 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 hop. Pour faire les traits droits, vous allez tout simplement cliquer, faire un petit point. Vous allez cliquer sur Shift. Et vous pouvez ensuite guider votre trait. Ça peut être très intéressant pour faire des lignes droites. Hop. Certains raccourcis clavier. D'ailleurs, je pourrais faire peut-être une vidéo sur les raccourcis clavier que je connais. Ça pourrait être aussi intéressant pour vous. Alors, ça, oui, on va reprendre au niveau des gommes. Alors, du coup, si jamais je fais du coup un trait droit ici et un trait droit ici, si jamais je veux gommer, ça fera une gomme normale. Du coup, je pourrais effacer certains détails, ainsi de suite. Si jamais, par exemple, je suis sur un calque vecteur et que du coup, je veux créer un, je fais, voilà, un calque vecteur et je veux faire du coup deux lignes qui se croisent. Voilà, on a deux lignes qui se croisent. Et ce qui pourrait être vraiment intéressant, si jamais on va dans l'outil gomme, ici, et qu'on a ici ce paramètre gomme de vecteur. Gomme de vecteur, du coup, effacer jusqu'à l'intersection. Vous l'avez compris, ça veut dire que si jamais j'efface mon trait, ça va s'effacer jusqu'à l'intersection, du coup, ce qui se trouve au milieu. Du coup, je gomme ce trait-là. Et ça va tout de suite gommer jusqu'à l'intersection, et du coup, ça va gommer parfaitement. C'est vraiment vraiment intéressant et c'est la spécificité principale en tout cas de ce que je connais maintenant sur Clip Studio du calque vecteur. Voilà. Donc là par exemple je peux faire n'importe quel trait hein, si jamais j'en refais d'autres. Voilà, imaginons ça comme ça. Si jamais je veux faire du coup comme vecteur, hop, 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 hop. Voilà, et là du coup on se retrouve avec un triangle. Alors, pourquoi déjà je l'utilise ce calque vecteur? Globalement, je l'utilise si jamais je veux faire des croquis pour mes perspectives. En fait. Si jamais je veux faire un croquis de perspective, je vais faire un petit dessin perspective ici. Hop, imaginons je fais genre. On va faire un petit cube tout simplement, cette vidéo. Hop, hop. Voilà. Hop. Voilà. Si jamais par exemple, voilà, je veux faire un cube, là du coup, ça va être très intéressant de faire le calque vecteur pour simplement voir le cube. Hop, 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 hop. Alors ici, j'ai mal fait l'inclinaison, faut faire vraiment attention ici. Bon, après, on a juste à retracer le trait, de toute façon, c'est pas bien grave. Hop. Ici, 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 là, là. Ah, j'ai mal fait mon trait ici. Je peux venir l'effacer et le retracer ici. Voilà pourquoi déjà globalement j'utilise le calque vecteur. Surtout vraiment j'utilise surtout pour les décors. Après bon on peut l'utiliser comme bon nous semble. Hein. Moi j'utilise surtout pour ça, mais vous pouvez l'utiliser pour tout n'importe quoi.
Et c'est vraiment intéressant. Le calque vecteur, je trouve ça vraiment sympa. Surtout vraiment pour les intersections, tout ça, c'est. Je trouve ça vraiment incroyable et n'hésitez pas vraiment à l'utiliser pour vos illustrations. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Je pourrais vous montrer dans cette vidéo. On a. Bon. Calque ici, l'œil, hop. Oh, le lasso, ça pourrait être assez intéressant. Oh! Alors, le lasso. Le lasso. Déjà, je vous fais un petit raccourci clavier ici, CTRL T. Ça va permettre en fait de bouger votre dessin. Hop. Si jamais vous avez fait un dessin et que vous faites CTRL T, vous pouvez le déplacer. Du coup, là, je le recentre et je vais ensuite utiliser le lasso qui se trouve ici. Lasso de sélection. Ça va permettre en fait de corriger vos dessins. Et ça peut être vraiment intéressant. Par exemple, ici, je sélectionne ça. Je fais du coup un nouveau CTRL T et je peux déplacer cette partie. Du coup, qu'est-ce que. Là, vous voyez, ça corrige pas tant que ça. Ça permet juste en fait de gâcher un peu mon cube. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut vraiment corriger. Et qu'est-ce que cette sélection peut apporter. Je vais plutôt le faire sur mon chibi ici. Ça pourrait être plutôt. Ça va être mieux. Je vais gommer. Je vais faire un peu semblant de faire une erreur. Voilà. Imaginons là la jambe est 10 fois trop grande, mais c'est en vrai ça pourrait faire un bon effet de perspective. Et du coup je veux la rendre un peu plus petite. Ça va être très simple. On va du coup mettre le lasso de sélection, sélectionner du coup bien la jambe ici. Hop, faire CTRL T et après on pourra la rapetisser. Du coup pour essayer de l'ajuster à la bonne taille. Ensuite ce qui pourrait être encore plus intéressant. Pour déformer du coup ce que vous avez sélectionné et pour avoir plus de facilité à corriger, vous allez faire un clic droit et vous allez ensuite avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Échelle, rotation, transformation libre, torsion, inclinaison, perspective. Faites le tourner de symétrie horizontale et symétrie verticale. Alors, symétrie du coup horizontale, verticale, c'est très simple. Si je clique sur symétrie horizontale, ça me met symétrie horizontale. Hop, si jamais j'appuie sur vertical, vertical. Voilà, tout simplement. Si jamais je fais du coup échelle, c'est tout simplement j'agrandis ou je rétrécis. Très simple. Si je fais rotation, ça va permettre de le tourner. Voilà. Si je fais du coup transformation libre, c'est vraiment le plus intéressant. Je vais tout faire à la fin. Torsion, du coup, ça va permettre de le tordre un peu plus. Peut-être de l'affiner ou de le grossir. Inclinaison, ça peut être simplement de l'incliner. Hop. Perspective, ça aussi c'est très intéressant. Ça va permettre, en fait, si jamais vous tirez, ça va créer une perspective avec votre sélection. Et ça peut être très très utile déjà pour les. Si jamais vous faire des illustrations avec des bras un peu plus petits, si jamais vous voulez vraiment créer une perspective à travers votre dessin. On a ensuite, du coup, si je fais, je vais resélectionner, hop, voilà, CTRL T, clic droit, et ensuite transformation libre. Transformation libre, c'est comme on l'indique, hein, tout simplement plus libre. Je vais venir par exemple l'agrandir par-ci, le rétrécir par-là, essayer de le remonter comme ceci. Je peux vraiment être libre dans la transformation de ma sélection. Et ça peut être vraiment très intéressant pour corriger vos dessins. Voilà, là, par exemple, faire ça comme ça. Ici. Voilà. Et là, du coup, on a un dessin qui. En tout cas, on voit plus l'erreur de. Alors, pour commencer, tout est un petit clavier. Donc, on sait déjà, bien, le plus simple, CTRL N. CTRL N. Qui va vous permettre de créer un nouveau document. Donc par exemple, ici je fais CTRL N et j'appelle le document test vidéo YouTube. Test vidéo YouTube, voilà. Et je fais entrée. Du coup, là, j'aurai directement mon document. Comme vous voyez, je supprime ceci. Comme vous voyez ici, test vidéo YouTube. Pour faire ça, pour créer un nouveau document, c'est CTRL N. Très simple. Ensuite, si jamais par exemple, je veux. Je sais pas moi.
fais. Oh non, non, je fais un truc de pitié, j'ai. Hop, un truc de pitié. Hop, imaginons par exemple. Hop, je fais ça. Je sais pas, je prends un petit symbole, je peux. Hop. Après, bon, c'est pas si je fais pas correctement, mais si je peux vous montrer quelques exemples. Alors, imaginons, je prends mon pinceau comme ça, je fais un clic petit comme je veux, ça, ouais. Un petit truc comme ça. Bon, là-bas, je vais faire le feu, c'est mal fait, mais c'est pas grave. Ensuite, imaginons, je fais comme ça, et après, je vais faire retour. Le plus simple, c'est que je vais faire retour, par exemple, pour reprendre la dernière partie que j'ai réalisée, là, ce signe-là, ce symbole-là. Ben, ça va être très simple, pour faire retour, ça va être CTRL-Z. CTRL-Z, du coup, ça va faire retour. Et du coup, je pourrais venir le retravailler. Il y a aussi d'autres moyens, par exemple la petite flèche en haut, mais c'est le plus simple, du coup, comme je vous dis, c'est un petit clavier. Du coup, si je fais plusieurs CTRL-Z, si je fais retour, 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 et à chaque fois, du coup, ça va effacer la dernière chose que j'ai réalisée, simplement. Ça, c'est très simple, CTRL-Z. Ensuite, après, il y a la molette, hein, si on veut zoomer, il y a également Alt, espace. Et du coup, on peut zoomer, on voit le. Comment ça s'appelle? On voit la petite loupe, moi, et quand on glisse avec la molette. Et sinon, on dézoome comme ça, et après on revient. Ensuite, très simple aussi, si jamais je fais. Hop. Hop, maintenant je fais ça. Et que je veux le dimensionner, je veux le redimensionner, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je vous le répète parce que c'est également un autre raccourci clavier. C'est toujours CTRL-T. CTRL-T va permettre en fait de le redimensionner, de le rendre petit, plus grand, de le déformer, mais également si j'avais compris CTRL-T D, ça va directement me permettre de faire la transformation au lieu. En fait, si jamais, là par exemple, je fais CTRL-T et je fais droit, on a déjà le raccourci clavier D qui est marqué jusqu'ici. On a OK pour sélectionner ces F, mais pour annuler ces C. Là, par exemple, pour dire OK, je peux également mettre espace, mais bon, si je fais F, évidemment, ça fonctionne. Voilà. Si jamais je fais ça, je redimensionne, je fais espace, là c'est bon, ça a sélectionné. Il y a également d'autres raccourcis clavier, je suis en temps un peu à côté pour ajuster. Effacer ou supprimer aussi, très simple. Hop. C'est très simple. Après, on a. Oui, il y a. Okay. Je sais pas si ça fonctionne sur ça. Ouais, je peux faire. Ah, non, il y a pas ça. Ah, tu mets. Ah, oui, de toute façon, on va faire ça. Alors. Également. Ça, très important, si jamais vous voulez créer des formes. En fait, si jamais vous voulez créer des formes, par exemple, un carré, bah là, par exemple, on voit dans le rectangle, toutes les formes qu'il y a ici, le carré n'est pas disponible. On n'a plus rectangle. Pour faire un carré, c'est très simple, hein. On a juste à du coup, cliquer, sélectionner du coup l'outil rectangle, cliquer, et vous allez cliquer. Qu'est-ce que je dis? Vous allez cliquer plutôt sur Maj. Et ça va vous créer directement un carré en fait, qui ne pourra pas être déformé. Où là on voit le carré s'est formé. Si j'ai mis par exemple je décoche Mage, ça pourra permettre de le déformer et du coup, comme vous voyez, ça pourra permettre de faire un rectangle. Si j'appuie sur Mage, ça va directement me faire un carré. Si jamais on veut faire des belles formes et ne pas les déformer, c'est mieux de faire ça si vous mettez sur Mage simplement. Si je veux faire un cercle pareil, là par exemple j'appuie pas sur Mage, là si je fais Mage, ça va faire un cercle. C'est pareil avec tout. Si jamais par exemple je veux faire également des lignes droites, c'est ça. C'est ça, soit sinon, on appuie également sur Maj, ligne droite, ça permet du coup de tracer directement des lignes droites. Moi je fais pas ça comme ça, je fais plutôt comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Mais il y a aussi cette méthode de faire des lignes droites, c'est très intéressant. Hmm.
Après, il y a. Contrôle Z, tout ça. Je trouve ça en montage. Il y a tout évidemment. C'est qui me permet directement d'arriver à l'outil texte. Je vais taper n'importe quoi, je sais pas. Je vois, voilà, ça me permet directement d'arriver à l'outil texte en fait, d'appuyer directement sur texte. Là par exemple, on est sur la pipette. On dit la couleur, je passe du rouge au noir. Et du coup, après, je vais taper un texte, je fais directement T, ça me sélectionne du coup mon plateau texte. Ça, c'est pas mal également. On peut faire M. M, du coup, qui va directement me permettre d'aller jusqu'au lasso. Du coup, sélectionner la forme que je vais déplacer ou que je vais former. Du coup, je le mets sur le bon calque. Je fais M. Ça me sélectionne le lasso. Grâce au lasso, du coup, je peux sélectionner l'endroit que je veux déformer ou arrondir, rétrécir. Du coup, ensuite je fais CTRL-T, comme je l'ai dit. CTRL-T, ça permet de déplacer ce que je veux. M, du coup, c'est pour de la sur. J, c'est pour du coup, le mélangeur. Alors, ça, je vais mettre deux couleurs, un rouge, on va mettre ça là, le mélangeur, donc j'ai un rouge ici, et je mets un jaune, et après je mets un violet, je sais pas si ça va rendre beau avec le mélangeur, je vais mettre ce mélange de couleurs là. Hop, ça je fais ça comme ça, le rouge, enfin, c'est pas la même couleur. Voilà. Et ensuite, si jamais je fais J, ça me sélectionne directement le mélangeur de couche, le mélangeur de couleurs. Et du coup, ça me permet du coup de mélanger tout simplement comme du couleur. Parce que j'utilise vraiment beaucoup pour faire mes illustrations en couleur. Normalement. Voilà, et là, du coup, ça va me créer un dégradé. Enfin, pareil. Avec le violet jaune, et l'orange également, orange rouge, pas. Enfin, ça permet directement de créer un dégradé et de créer une harmonie en fait entre les couleurs. Et c'est vraiment ça que j'utilise pour une illustration de couleurs, je trouve ça vraiment bien. Et pour le coup, c'est un des outils que je trouve créatif. Différents paramètres que Photoshop, il y a paramètres différents sur Photoshop. Celui, le mélangeur de couches de Photoshop n'est pas la même chose que celui de Clip Studio, mais je préfère celui de Clip Studio à celui de Photoshop. Moi, je préfère celui de Clip Studio. Justement, un des points que je préfère Clip Studio par rapport à Photoshop, c'est que le mélangeur de couches n'a pas de bon sens pour un autre. Ensuite, P, ça va être je mets ça en vert, V, le présent papier. Après, bon, il y a différents motifs, hein, mais on va la prime, la prime. Hop, et si jamais je fais un coup sur P, ça va. Si jamais tu as fait sauter, ça va aller directement vers le silo, du plus, et du coup ce que j'utilise de vraiment pour ça. Un peu plus précis, je pense. Parce que le play c'est super proche. Hop, voilà, même. Là, c'est quelque chose, hein, si j'avais. Je vais faire du coup M sélectionne mon lasso, sélectionne la forme, elle est sélectionnée, je vais dessus et elle est super. Autre que l'outil gomme, c'est du coup on voit vraiment l'intérêt du coup de la réussite d'arrière et d'appuyer sur l'outil.
voix et d'avoir plus inclus des réflexes. Pour mieux maîtriser le logiciel quand je pense à la fiche. Car ça permet directement de déplacer, ça me permet de déplacer directement tout le casque. Ben attention, c'est pas seulement le dessin. Je sélectionne seulement le dessin pour l'utilisation et du coup créer une sélection. Mais seulement une tête. Car ça va déplacer du coup tout le casque. Du coup, c'est l'outil déplacé. L'outil raccourci clavier, eux, c'est pour aller vers la zone. C'est un autre moyen de supprimer tout le dessin. Ou là, c'est eux, si jamais pour faire la zone. B, ça va directement vers le curseur. Ça la met les étrangers. Voilà. La page. On a également l'aérographe. C'est vraiment pour apporter quelque chose de flou à mon dessin. Et même des dégradés. Ça c'est cool. C'est une que j'avais utilisée d'ailleurs pour l'illustration. Que la Nintendo illustration est gauche. De toute façon, la miniature, si c'est un problème. Il y en a plusieurs, par contre, une vidéo de très longue. Oh, il y en a quelques-uns d'ailleurs, je vais vous mettre le lien du site Coup Studio où il y a pas mal de raccourcis clavier. Donc n'hésitez pas à rien voir la description du moment. En tout cas, je vais finir cette vidéo comme ça, les gens. N'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche de notification pour suivre un maximum de vidéos. Je suis sur Twitch, Instagram, et bien sûr, sur la description. N'hésitez pas à partager ma chaîne, tout le monde, et Stickerbox, les gars, je vous deviendrai bientôt mon départ. Salut.